Donc 50 squats pour s'échauffer et après on commence en tabata. On y va tranquille. Hein. Ok. Donc le premier tabata, je vous ai dit, hein, levée de genoux et pompe. Okay. 20 secondes de levée de genoux, 10 secondes de pause, 20 secondes de pompe. Okay. Les filles en pompe, vous pouvez commencer sur les pieds, après vous finissez sur les genoux si vous avez pu, vous n'y arrivez plus. Okay. Je crois que le timer, il le fait 8 fois. Il est bien programmé. Donc là, je pense qu'on va avoir 10 secondes 10 secondes et après, on part dans 10 secondes. Ok, vous avez vu, ça passe vite, les 20 secondes, c'est cool, mais la récup, ça passe encore plus vite. Attention. C'est trompeur. Hein, il n'y a qu'un son. Levez de genoux. Allez. On fait pompe. Ok, on a fait la moitié du tabata. Allez.
Ok, c'est bien. Dernière série. Un check. Allez, dernière pompe. Ok, c'est bien. On marche un peu. Chercher un chrono pour la récup. Vous avez vu le chrono, c'est un peu différent. Hein. Ce couillon, il nous fait qu'un temps quand... pour nous dire d'arrêter de travailler. Il nous fait trois temps pour la fin du repos. C'est un peu bête. Alors, vous avez écrit quoi? C'est dur, dur. Vous avez vu le Tabata, les deux premiers, on va dire que ça va. Hein, ce qui fait mal, c'est les deux derniers. Parce que comme on travaille le même groupe musculaire, moi je sais qu'à la fin, les pompes, là, tu le sens bien. Hein. Les deux premiers, ça va. Okay? Donc voilà, après, il faut arriver à gérer les deux derniers. Hein. Ça passe vite, les 10 secondes. Hein. Ça passe très vite. En même temps, les 20 secondes, ça passe plus vite que les 30 secondes aussi. Hein. Ok, donc là on va faire 5 minutes de pause à peu près. On va attaquer le deuxième. Alors, donc le deuxième Tabata. Burpee. D'accord. Donc les filles, si vous n'avez plus de bras, vous laissez tomber les pompes. Hein. Vous faites burpee sans pompe. Et après, fermeture. Donc, fermeture, c'est celui-là. Je pense que celui-là, il est dur. Pense que celui-là, il est dur. Après, il y a quoi? Normalement, après, il y a. Pas facile non plus. Fin de sauter, pompe plongée. Donc on verra, on fera peut-être un abdo plus facile. Et après, squat complet, sauté latéral. Ouais, et gainage ventral. Ça, gainage ventral, ça. Donc plus ça va aller, hein, plus ça va être dur parce que. Eh ben, on a quand même la fatigue du Tabata précédent.
OK. Donc là, on a dit burpee et fermeture. OK. On part pas trop vite, hein, et si vous sentez que vous êtes à l'agonie, eh ben on ralentit un peu. OK. Mais on s'accroche, hein, c'est dur pour tout le monde. Burpee. En 20 secondes, faites une règle de 3. Hein. Si vous en faisiez 6 en 30 secondes, ben ça fera 4 en 20 secondes. Et là, la difficulté, ça va être d'en faire 4 et 4 fois. OK, attention, parce que ça va vite partir. Donc, je me lève déjà. Si le chrono veut bien marcher. Attention. Surtout, arrêtez-vous dès que ça sonne. Fermeture. Ok, on commence le deuxième. C'est bien. Et fermeture. C'est bien, on a fait la moitié. Allez. Fermeture. C'est bien. Le dernier. Dernière série, allez. Allez, dernière fermeture. Allez, on s'accroche. C'est bien. On récupère, on marche.
Et on récupère encore un peu en marchant. Ok. Vous avez vu, c'est assez court, hein? Voilà, je pense que c'était le plus dur qu'on va faire, hein? Parce que burpee, et puis l'autre, après les fermetures, là, moi, je sentais les épaules, là. Waouh! C'était dur. Oui, c'est dur parce que comme la récup est très, très courte, hein, notre déficit d'oxygène, on n'a pas le temps de le combler et on est de plus en plus essoufflé. D'accord? On manque de plus en plus d'oxygène, donc ça veut dire qu'on fabrique de plus en plus d'acide. Et ça devient très dur. Et là, le troisième, on va sentir qu'on n'a pas encore bien récupéré. On va sentir l'acide qui est là dans notre corps. Donc, des fois, sur Internet, vous pouvez trouver des trucs. Il y a des vidéos super bien sur Internet. Et des fois, vous pouvez voir des mecs qui vous font du Tabata, par exemple, pendant 20 minutes ou 30 minutes. C'est plus du Tabata. Parce que l'idée du Tabata, c'est que ça doit être à haute intensité. Donc, on n'est pas capable de faire ça longtemps. Là, vous avez vu, on a fait ça 4 minutes. Moi, peut-être que si je jouais un truc important, j'aurais fait 5 minutes, peut-être 6. Mais après, j'étais pas capable de continuer. Pour continuer, la seule solution, c'est de ralentir beaucoup. Donc, les mecs qui vous font 20 minutes ou 30 minutes de Tabata, hein, c'est plus du Tabata. C'est, effectivement, ils sont sur du 20-10, mais ils font des exercices soit coolos, hein, au niveau intensité, soit moins cardio, hein, que le burpee, par exemple. Hein. On ne peut pas faire du Tabata pendant une demi-heure à haute intensité, c'est pas possible. Okay? C'est pas possible. Or, l'idée, pour que ça soit efficace, hein, c'est de créer de la dette d'oxygène, donc qu'on soit bien essoufflé. On le voit bien, hein, les 10 premières secondes de récup. Ça va à peu près, hein. Et puis plus ça va, hein, plus ça devient dur, vous avez vu. Donc, si vous y voyez pas d'inconvénient, on va peut-être aménager la suite en faisant, parce qu'en plus vous êtes surtout des filles, hein, donc on va éviter de faire quand même trop de bras. Donc on va quand même essayer de faire fin de sauter. Hein. Donc ça va être dur, c'est sûr. On part pas trop vite. Si à la fin vous êtes morte, et ben vous faites des fentes normales, hein, au lieu de faire des fentes sautées. Donc on va faire fente sautée et comme abdos, on va faire celui, vous savez, où on est. Non, on va en faire un cool. Ouais, un cool, vous savez, comment ça s'appelle? L'essuie-glace, là, vous savez. On écarte les bras, hein, on a les jambes verticales et on les descend 180 à droite, 180 degrés d'un côté, 180 degrés de l'autre. D'accord, vous voyez les essuie-glaces, hein, les bras bien écartés. Ça va. Comme ça, on va se refaire. OK, donc, fin de sauter, on se fait bien mal. Essuie-glace, on se refait.
OK. On a fait la moitié de la séance, hein. On a déjà fait deux tabata, il nous en reste deux. En même temps, vous avez vu, ça passe vite, hein. Mais c'est dur, hein. C'est dur. De sauter et fugace. J'appréhende un peu de déclencher le chrono parce que je sais que je vais souffrir. On peut pas faire ça sans souffrir, c'est pas possible. Ou alors on le fait pas à l'intensité souhaitée. S'il y en a qui sont en SVT et qui connaissent un peu ces notions de pourcentage de la VO2 max ou hein, il faut travailler ou vitesse maximale aérobie, on dit que Tabata, il faut travailler à 170% de sa vitesse max aérobie. Hein. Donc, il faut aller vite. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est ces termes, c'est pas grave. C'est un peu compliqué à expliquer, donc on va. Sauf si ça vous passionne, mais départ dans 10 secondes. On se prépare. Ah ouais, merde, j'ai oublié de remettre à zéro, pardon. Allez, fin de sauter. Ok, je vais chercher la serviette pour les abdos. Allez. Ça va. Ça part pour le deuxième. Allez. Donc, on se prépare pour le troisième.
Le dernier. Allez. C'est bien. Ok, on marche. On marche. 3 minutes pour récupérer. Allez, tranquille. Ok, c'est bien. On récupère. Purée, moi j'ai le soleil. Je cherche l'ombre d'un cocotier. Pas beaucoup. Peut-être je vais tourner l'appareil, ce sera mieux. Ok. Pas de commentaires, tout le monde se fait plaisir, je vois, c'est bien. On a fait trois, hein. Il n'en reste plus que deux. Ça va aller. Sachant que le dernier, on va pas le faire trop dur. C'était bien qu'on fasse des petits abdos pépères au milieu, hein, parce que sinon ça fait mal. Vous avez vu comme, attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ça change. Ouais, ça change. Mais moi, je trouve que c'est dur, hein. C'est dur. Le 30-30 qu'on a l'habitude, bon, il y a une routine, ça va. Et puis la récup de 30 secondes, c'est assez long, quoi. Là, moi, j'ai vraiment senti là que ma dernière récup de 10 secondes, j'avais totalement pas récupéré, quoi. J'étais encore très, très, très essoufflé et je partais alors même que j'avais encore un grand déficit d'oxygène, hein. Donc là, forcément, c'est très dur, hein. Et je sentais aussi que dans la quatrième fente sautée, vous l'avez peut-être senti, hein, au niveau des cuisses, ça brûle de plus en plus parce qu'on a de plus en plus d'acide, hein, puisqu'on est de plus en plus essoufflé, qu'on manque de plus en plus d'air, hein. Donc l'acide s'accumule, hein. Donc c'est ça qui est dur.
Donc, vous imaginez si on avait fait 8 fois sans sauter. C'est une autre affaire. OK. Le dernier, on va faire un exercice un peu dur, un exercice un peu facile, pareil. Donc, c'est squat complet avec un sauté latéral. C'est celui-là, je vous le montre. On est là. D'accord? Petit saut, flexion complète. OK? On fait l'effort de bien fléchir les jambes. C'est ça qui fait mal. Et après, c'est gainage comme ça, là. Je ne sais pas si vous me voyez. Je pense que... Je vais remettre le truc parce que là, vous n'allez rien voir. C'est gainage. C'est celui-là. OK. Donc ça, ça va. Donc on sait que c'est le dernier. OK. Il est dur, mais voilà, on sait que le premier exercice est dur, on sait que l'abdo est facile, hein, donc on s'accroche. Tout le monde est OK? Alors, je remets F1. Ça va marcher, ça va marcher. Voilà. Départ dans 10 secondes. Allez. OK, gainage. Allez. C'est bien, je ne sais plus où on en est, si c'est le troisième ou je crois.
Allez, dernière série. Allez, on va très bien. C'est pas trop dur ça. Allez. Allez, on met du rythme. Allez. Ok, c'est bien. Vous avez vu, celui-là n'était pas très dur, hein. On n'a même pas le besoin après de marcher un peu pour récupérer. Ok. Mais c'est bien, c'est bien. Comme ça, le plus dur, c'était le 2, hein. Le 3 n'était pas facile aussi. Voilà, donc ça, c'est une autre forme de travail. Bon, après, ça se ressemble, hein. Voilà, ça joue. On change un peu sur les. En fait. La légitimité physiologique du 30-30, c'est qu'il paraît que c'est le temps qu'il faut pour reconstituer au mieux les réserves d'oxygène dans le corps. C'est-à-dire que les 30 secondes de repos, elles sont suffisamment courtes pour ne pas faire baisser la fréquence cardiaque. Je vous avais montré le schéma la semaine dernière. Et elles sont quand même suffisamment longues pour permettre à la myoglobine, hein, la protéine spécialisée dans la cellule, qui stocke l'oxygène, de bien se reconstituer. D'accord? Donc, en fait, en récupérant 30 secondes, le cœur, finalement, il se ralentit pas, donc c'est bien. Et par contre, c'est suffisamment long pour qu'on refasse ses réserves d'oxygène. Donc, c'est pour ça que le 30-30, hein, il est temps pratiqué. L'idée du Tabata, du 30-20, là, c'est d'avoir une récup insuffisante pour obliger l'individu à aller de plus en plus dans son fonctionnement avec un manque d'oxygène, hein, pour donc obliger la fonction cardiaque, hein, et la fonction aérobie à s'améliorer. Donc, si on le fait vraiment bien, le Tabata, ça fait vraiment mal, quoi, parce qu'il y a plein d'acides, hein, donc ça fait mal au muscle, ça fait mal à la tête, on n'a pas envie de faire. Okay. Donc, voilà. Moi, j'ai vrai que j'ai pas forcément envie de me faire mal à ce point-là, vous voyez, c'est dur. Bon, la prochaine fois qu'on fait les Tabata, on essaiera aussi sur un pas trop dur. Par exemple, vous voyez, montée de genoux. 8 fois montée de genoux, ça va. Hein. Bon, 8 fois burpee, ça peut aller. Hein, ça dépend après ce qu'il y a derrière, quoi. OK? Mais voilà, le vrai Tabata, hein, c'est 8 fois le même. Hein. Et alors, il y en a, ils en font 8 différents, des fois. Hein. Donc, ben voilà, c'est pas. Vous voyez, si vous faites un dur, un facile, un dur, un facile, ça peut passer. OK? Juste aujourd'hui, je voulais vous montrer ce schéma-là. Savez, si on veut, je vous en avais déjà parlé, si on veut boire des boissons sucrées, style le coca, pour pas le nommer. Alors, je vais vous mettre, voilà, ce schéma. Ce schéma. Alors, on prend le temps de commenter lentement et comme on est un peu fatigué. En bas, vous voyez, c'est le temps en minutes. OK. Et à gauche, en ordonnée, c'est la quantité de sucre dans le sang. Hein. En fait, l'idée, c'est de voir, de vous montrer que
si vous buvez du sucre trop tôt, c'est pas bon. Donc, on va d'abord s'intéresser à la courbe rouge. La courbe rouge, c'est un mec qui n'a pas bu de boisson sucrée avant. Vous voyez, 45 minutes avant, 30 minutes avant, 15 minutes avant. Vous devez voir ma petite flèche là, petite souris. Vous voyez, il n'a pas bu de sucre. Donc, logiquement, son taux de glucose sanguin reste constant. Et puis là, à zéro, l'exercice commence. D'accord? Il fait un exercice à 70% de sa consommation maximale d'oxygène. Si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est un exercice d'intensité modérée, quoi. Vous voyez? C'est un footing quand vous courez à peu près à 10, 12 à l'heure, voilà, que vous êtes capable de courir pendant une demi-heure à peu près. OK? Et qu'est-ce qu'on constate? Que son niveau de sucre dans le sang augmente. Pourtant, il n'en boit pas. Alors là, on peut se dire, il y a une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. C'est que dès qu'il commence son exercice physique, le corps le perçoit, qui fait une activité, et libère ce qu'on appelle donc des hormones hyperglycémiantes. L'adrénaline, le glucagon, l'hormone de croissance, la testostérone. Donc, toutes ces hormones font que il va augmenter sa quantité de sucre de façon à pouvoir, comme ça, mieux utiliser le sucre dans ses muscles. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que il produit un peu plus de sucre, mais comme en même temps, il court de plus en plus longtemps, il s'alimente toujours pas. Ben, finalement, il en produit plus, mais comme il en consomme, le niveau change pas. Et puis, arrivé à un moment, à la fin, quand même, il finit par avoir son niveau de sucre qui baisse, et puis là, il s'arrête, le mec épuisé. OK? Étonnamment, il a quand même plus de sucre encore qu'au début, mais sans doute qu'il a accumulé beaucoup d'acide aussi. Et je vous ai dit que plus il y avait d'acide, plus le rendement dans la cellule diminuait, donc il brûle moins bien le sucre, et donc il s'épuise. N'empêche qu'il a tenu longtemps, le mec. Vous voyez, il a tenu 90 minutes. OK? L'autre, c'est un gars qui se dit, mais moi, comme je vais faire un effort dur, je suis pas idiot, je vais boire du sucre avant. Mais malheureusement pour lui, il boit le sucre trop tôt, 45 minutes avant l'effort. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme il boit du sucre, style coca, sa glycémie augmente très vite, vous voyez? Et ça arrive à un pic, pile avant l'effort, malheureusement pour lui. D'accord? Donc, comme le corps, il voit qu'il y a trop de sucre, il se dit, ça va pas du tout. Donc, il va produire, beaucoup d'insuline. Et comme il en produit, comme il y a eu un pic très fort, il va produire, le pauvre, trop d'insuline. Et donc, il va avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que le pauvre, il va se retrouver avec un taux de sucre hyper bas à cause de l'insuline qu'il a libérée en grande quantité parce qu'il a pris trop de sucre. Donc là, le corps se rend bien compte qu'il y a quand même un gros problème. Et donc, l'insuline s'arrête. Les autres hormones hyperglycémiantes, comme lui, commencent à intervenir. Et donc, le taux de sucre remonte. D'accord? Mais comme le pauvre, il est parti hyper bas, il s'est fait un peu harakiri dès le début, lui. Et donc, évidemment, ben, plus tôt, il va arrêter son effort d'épuisement. OK? Donc, lui, finalement, le mec, en tracé vert, il voulait bien faire en prenant du sucre avant, mais finalement, ça l'a desservi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais prendre de sucre avant. Ça veut dire que quand vous prenez du sucre avant, ce qui est très important, c'est de le prendre dans le quart d'heure qui précède. Vous voyez? Parce que comme ça, si, admettons qu'il l'ait pris ici, le sucre, la courbe, elle serait montée jusqu'à là. Elle serait pas montée donc très haut, puisque le sucre après, il aurait été utilisé directement par les cellules musculaires, d'accord? Donc, comme il n'aurait pas eu de pic de glycémie, il n'aurait pas eu d'hypoglycémie réactionnelle, vous voyez? Donc, le sucre serait arrivé dans le sang, un peu plus que chez le gars en rouge, et le sucre dans le sang aurait été directement utilisé par les cellules. Donc, on peut imaginer que si le gars, il prend du sucre 10-15 minutes avant l'effort, c'est sans doute optimum pour lui permettre d'aller
un état d'épuisement plus tard. D'accord. Alors, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait ce test-là, hein, mais on peut faire l'hypothèse que c'est ça. Donc, vous, hein, si vous n'avez pas bien mangé avant une séance de sport, okay, et que vous prenez un coca, hein, parce que vous savez que vous êtes déjà fatigué, que ça va être très dur et tout, pas de problème. Mais si vous voulez que le sucre du coca il vous aide, hein, il faut le prendre dans le quart d'heure qui précède l'effort. Il ne faut pas le prendre trois quarts d'heure avant l'effort ou une demi-heure avant l'effort. C'est trop tôt. D'accord? Parce que dans ce cas-là, le sucre il va s'accumuler trop haut. Hein, et comme vous n'aurez pas encore commencé l'exercice, l'insuline va être sécrétée. Hein, et donc, vous aurez exactement l'effet inverse que ce que vous recherchez. D'accord? Voilà. Si le mec, là on l'a pas sur le schéma, hein, mais si le gars, ici, lui, hein, il buvait peut-être une boisson sucrée en même temps qu'il court, ben là, ça serait bien, hein, parce que ça lui permettrait de ne plus aller chercher forcément le sucre dans les réserves de son corps, mais d'aller chercher le sucre dans l'alimentation. Donc, ça lui permet de durer plus longtemps. Donc, effectivement, hein, les gens qui font des épreuves de longue durée, hein, de au-delà d'une demi-heure, trois quarts d'heure, hein, et encore plus si c'est une heure, deux heures, trois heures et plus, hein, c'est très important qu'ils s'alimentent, hein, parce que les réserves de sucre dans le sang, dans le corps, elles ne sont pas du tout suffisantes pour durer longtemps. Okay? Donc, si on ne s'alimente pas, une fois que les réserves de sucre vont être épuisées, on va utiliser seulement ces réserves de graisse et le rendement de la graisse, il est bien inférieur. Hein. La graisse libère beaucoup moins de calories que le sucre. Hein. L'avantage de la graisse, c'est qu'on en a des kilos, hein, mais elle a un rendement qui est beaucoup moins bon. Donc, on peut pas courir, si on court 8 heures d'affilée, on peut pas courir à la même vitesse que si on court 2 minutes. Hein. Ça, c'est pas possible. OK? Donc, voilà, pensez à ces petits schémas, hein, parce que c'est pas forcément ce qu'on aurait pu imaginer intuitivement, hein, mais c'est ce que la physiologie nous montre. OK? Voilà. Mais nous, on boit pas de boisson sucrée, hein, parce que nous, ça va, ce qu'on fait, c'est pas très long, hein, et puis même de toute façon, comme en général, on mange bien avant, après, etc., et qu'on fait pas grand chose pendant le confinement, on n'a pas besoin de gérer notre effort, hein. Mais c'est vrai que, admettons que l'évaluation, ça soit ça. Vous avez 4 tabata à faire et j'évalue le mieux possible l'intensité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se mettre de plus en plus minable. Bah, évidemment qu'à chaque fois, entre chaque tabata, hein, la logique, c'est de boire un peu. Hein. Vous buvez 10 millilitres, hein, pardon, 10 centilitres, vous buvez 10 centilitres d'une boisson sucrée. Hein. C'est la logique. Comme ça, à chaque fois, vous allez reconstituer un peu de votre réserve de sucre. Okay. Mais nous, c'est pas notre objectif. Hein. OK. Voilà, bah écoutez, on arrête pour aujourd'hui. Demain, on reprend une séance normale. Juliette, elle a mis celui-là, et eh bien, ça veut dire quoi? C'était l'enchaînement des deux, un difficile, un facile. C'était quoi? Vous pouvez mettre votre micro si vous voulez. Hein. Ah d'accord, ouais. Oui, c'est sûr que c'est, je sais pas lequel tu disais, Juliette, c'était peut-être le dernier où on faisait l'essuie-glace ou le gainage. Hein. C'est sûr que à partir du moment où on fait le gainage, vous avez vu, au niveau cardio, c'est pas dur, hein, parce que c'est pas très intense quand même. Donc on peut récupérer. En fait, on a pas tout à fait 20 secondes de plus, mais on a de la récup en plus. Hein. Donc c'est vrai. Mais on n'est plus tout à fait dans la logique du Tabata. Mais bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, c'est bien, hein, surtout celle que je vois très assidue. Donc, attention, hein, n'en faites pas trop quand même. Après, vous allez saturer, hein, et vous allez arrêter. Et donc, ça m'embêterait que vous arrêtiez. Hein. Et n'hésitez pas à varier. Des fois, ne faites pas mes trucs et allez faire des trucs sur Internet ou allez faire des trucs avec des copines, promenade Vernier, machin. Vous pouvez très bien aussi, promenade Vernier, hein, faire de la course à pied ou n'importe où, sur la couture, sur la balade et tout. Vous pouvez très bien faire du 20-10, hein, en sprintant. Vous courez vite 20 secondes, vous marchez 10 secondes. Hein. On peut faire du Tabata en courant. Hein. Ou on peut faire du 30-30 en courant, bien sûr. Hein. Ça change, OK, il n'y a pas de problème. OK. Voilà. Bah écoutez, merci de votre attention. Et puis, on se retrouve. Moi, je serai là demain, en tout cas. Et puis, ceux qui veulent, à une prochaine. OK. Allez, bonne journée et reposez-vous bien, buvez bien. Au revoir.